Les trois coups. Le rideau rouge frémissant. Les jeux de lumière. La scène, le décor ingénieux. Le jeu des acteurs. Les applaudissements du public. Je suis au théâtre. Dans mon grenier. Le rideau est de papier rouge. Les projecteurs, des lampes de poche. Les acteurs, des figurines. Le décor, du carton peint. Je suis l'acteur et le spectateur à la fois. Je suis aussi l'auteur de la pièce. Et le metteur en scène. Les trois coups. Le rideau rouge frémissant. Les jeux de lumière. La scène, le décor ingénieux. Le jeu des acteurs. Les applaudissements du public. Je suis au théâtre. Dans mon grenier. Le rideau est de papier rouge. Les projecteurs, des lampes de poche. Les acteurs, des figurines. Le décor, du carton peint. Je suis l'acteur et le spectateur à la fois. Je suis aussi l'auteur de la pièce. Et le metteur en scène. Les trois coups. Le rideau rouge frémissant. Les jeux de lumière. La scène, le décor ingénieux. Le jeu des acteurs. Les applaudissements du public. Je suis au théâtre. Dans mon grenier. Le rideau est de papier rouge. Les projecteurs, des lampes de poche. Les acteurs, des figurines. Le décor, du carton peint. Je suis l'acteur et le spectateur à la fois. Je suis aussi l'auteur de la pièce. Et le metteur en scène. Les trois coups. Le rideau rouge frémissant. Les jeux de lumière. La scène, le décor ingénieux. Le jeu des acteurs. Les applaudissements du public. Je suis au théâtre. Dans mon grenier. Le rideau est de papier rouge. Les projecteurs, des lampes de poche. Les acteurs, des figurines. Le décor, du carton peint. Je suis l'acteur et le spectateur à la fois. Je suis aussi l'auteur de la pièce. Et le metteur en scène. Les trois coups. Le rideau rouge frémissant. Les jeux de lumière. La scène, le décor ingénieux. Le jeu des acteurs. Les applaudissements du public. Je suis au théâtre. Dans mon grenier. Le rideau est de papier rouge. Les projecteurs, des lampes de poche. Les acteurs, des figurines. Le décor, du carton peint. Je suis l'acteur et le spectateur à la fois. Je suis aussi l'auteur de la pièce et le metteur en scène.